petites, moins de 10 salariés, mais costaud, 20% de l'emploi salarié en France, les très petites entreprises ont été mises à l'honneur par BGE du 26 au 31 mars à Auxerre, à l'occasion de la troisième semaine des TPE. Chaque chef d'entreprise a eu l'opportunité de parler de leur entreprise en 2 minutes, seulement l'occasion de se faire connaître et apprécier auprès des autres convives. Par la suite, tous ont pu voter et élire à leur tour The TPE. Absolument, donc j'ai un magasin d'équitation que j'ai monté dans la zone de Périgny. Après avoir passé 10 ans dans une grande enseigne qui est à fond la forme, je me suis lancée de mes propres ailes il y a 6 mois. Absolument, j'ai été accompagnée par la BGE d'Auxerre. J'ai suivi une formation de 6 semaines en création d'entreprise. Et sans eux, je suis certaine, je mets ma main à couper, que je ne me serais pas lancée. Ils m'ont rassurée, ils m'ont aidée aussi à construire mon business plan. Ils m'ont présenté aussi des interlocuteurs comme des assureurs, des financiers, des banquiers qui étaient aussi dans mon jury de soutenance. Et je sais que sans eux, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Bah en ce moment, avec le BGE, on travaille sur tout ce qu'a évoqué Marie, sur le business plan, la communication, le marketing, enfin les stratégies commerciales, le segment client. Enfin voilà, c'est une chance folle. Je rejoins Marie de pouvoir bénéficier de ce genre de formation. C'est vraiment extraordinaire. Il y a des TPE partout et des entrepreneurs qui ont des idées et des parcours géniaux. Nous, l'équipe de la BGE, avec les 15 salariés sur la Nièvre et Lyon, on rencontre tous les jours des gens qu'on trouve extraordinaires et on se dit bah, quel dommage qu'on n'en parle pas plus. Alors on a eu l'idée de faire la semaine de la TPE. On va pas les accompagner sur leur métier. Vous avez vu ce soir, il y a des gens qui vendent des accessoires pour chevaux, il y a des gens qui font du consulting en bien-être, il y a des gens qui sont dans l'hypertechnique avec les prévisions météo. Nous, on les accompagne sur tout l'environnement économique, les aider à définir leur offre, qu'est-ce qu'ils veulent vendre, leur stratégie commerciale. Après ça, bon, on va parler chiffres, hein, on va parler business plan, plan d'affaires, puis on va leur parler juridique, fiscal, social. Donc c'est tout cet environnement économique de leur futur costume de chef d'entreprise, de très petite entreprise, parce que c'est des gens qui créent leur emploi.